Bonjour à tous, bienvenue, nouvelle vidéo de la team Synodroid, le retour après plus d'une semaine de repos pour la voix principalement, ainsi que pour la non-présence de nouveaux matériels en provenance de Chine. Les nouveaux smartphones se font attendre, certains sont repoussés tels que le M3 par Elephone puisqu'ils ont décidé de le mettre à jour vers la version 6, le Touch de Yumi qui a mis du temps à arriver, bref, donc beaucoup de matériel repoussé, certains qui devaient sortir et qui ne sont pas sortis. Mais en l'occurrence aujourd'hui, c'est une montre, une smartwatch phone que l'on vous présente. C'est la G3 par maintenant, dorénavant, DT numéro 1. Alors voilà, changement de nom pour number one qui devient DT number one. DT pour je ne sais pas. Bref, en l'occurrence, on tient à remercier la boutique Gearbest qui nous a fourni cette montre. Et l'on fait un coucou à Aurélie qui nous a gentiment envoyé cette montre que l'on a testé un bon moment puisque, étant donné qu'on a reposé cette voix qui vous parle, eh bien, j'ai pris le temps de la tester en long, en large, en travers et dans tous les sens. Bref, une montre nouvelle génération par numéro 1 qui n'est pas sans rappeler une montre d'un concurrent très connu. Bref, avant d'aborder tous ces points, on va commencer par le tour du propriétaire et la boîte. Alors, la boîte DT numéro 1, toujours avec ce numéro 1, avec tous les petits pictos qui peuvent représenter en gros tout ce qui est système embarqué sur cette montre. Alors, une boîte, comment dire, on ne peut plus simple, avec des petites specs sur le côté. C'est un CPU MediaTek 2502 avec un écran, enfin, sans cette barre, donc, que l'on a généralement l'habitude de voir qui est sur le bas ici. Donc terminer cette barre noire, c'est un écran entièrement rond. Voilà. Ensuite, custom clock support. Alors vous pouvez, comme l'annonce numéro 1 sur leur site et via une petite vidéo, vous pouvez customiser les aiguilles, le fond d'écran, voilà, personnaliser les couleurs, ce genre de choses. Bon. En gros, vous faites ce que vous voulez sur la montre. Attention, les goûts et les couleurs, ça risque d'être quelquefois un peu bizarre à regarder. Bref, alors, weather, support. Alors, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. À part installer une application externe, bon, heart rate, ok, support. SIM card, support. Normal, puisque je l'ai dit, c'est une smartwatch phone. Et en l'occurrence, cette bête, voilà, une boîte très difficile à ouvrir. Cette bête est dans une boîte qui n'a pas grand chose. Voilà, tout simplement. La seule chose qui est intéressante, donc je n'ai pas le support à côté, mais c'est un support. Un chargeur, je voulais dire. Un chargeur aimanté. Donc qui se met ici. Vous avez cette petite trappe. Alors, je vais essayer de l'ouvrir ici. Voilà, vous avez la batterie et sur le dessous, la carte SIM. Voilà. Donc tout simplement. Donc comme je le dis à chaque fois, smartwatch phone. Bref, j'en vois pas l'utilité. Par contre, celle-ci est assez complète et même très complète en tant que smartwatch. Donc, on garde que la montre et son côté intelligent parce que l'utiliser en tant que téléphone, je le répète, hein, c'est pas terrible. Bref, donc, écoutez, moi je le préconise comme ça, c'est utiliser la montre en tant que montre intelligente et point. Rien d'autre. On va déjà donc l'allumer. On va laisser filer le démarrage. Et vous le voyez que même à batterie low, dommage. Donc vous avez même vu le logo DT numéro 1
Ce que je vais faire, eh bien écoutez, je vais la charger, elle se charge très rapidement, j'arrive et elle sera chargée de cette façon. Alors pour vous montrer vite fait le câble, voilà, donc c'est un chargeur, enfin un câble recharge aimanté, vous le posez. Alors, voilà, chargeur connected. Eh bien écoutez, voilà, le problème c'est que il faut vraiment pas bouger lorsque on l'utilise de cette façon parce que sinon ça se déconnecte facilement. Voilà. Alors, on va attaquer tout de suite donc par la montre. Alors, cette montre, je retire la petite boîte comme ça on voit que la montre. Alors, ça c'est la montre que moi j'ai choisi, que eux proposent sur cette G3. Et donc cette G3 ressemble, et bah numéro 1 ne s'en cache pas, ressemble étrangement à la Samsung Gear 2, la nouvelle génération de la smartwatch de chez Samsung, avec exactement le même design, les mêmes boutons, même emplacement, et bien entendu cet écran entièrement rond pour une première montre chinoise. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu d'autres marques qui ont fait quand même des écrans tout ronds, tels que Lemfo, qui est une marque chinoise fabricant de smartwatch. Et connaissant cette marque et ayant eu un contact avec eux, j'ai reçu récemment une proposition de pub pour une smartwatch. Et eh bien écoutez, la G3 n'est ni plus ni moins qu'une Lemfo. Donc voilà, ça c'est dit. Je voulais pas le dire, mais bon, bref. Donc ce n'est pas une création numéro 1. Ils ont juste, on va dire, voilà, personnalisé. Comment dire? Même pas personnalisé d'ailleurs. Ils ont mis juste le logo, quelques petites choses en plus, mais en gros, c'est une montre Lemfo, qui est un gros fabricant chinois de smartwatch et qui en fait beaucoup beaucoup beaucoup. Bref, mais des belles montres, hein. Très honnêtement, ils font des montres plutôt agréables. Mais bon, celle-ci est un clone de la Gear 2. Bref, voilà, passons. Alors, comme vous le voyez déjà sur cet écran, vous avez le rythme cardiaque ici. Et ici, c'est le nombre de pas, la petite chaussure est cachée derrière. Vous avez la date, bien sûr, l'heure. Alors, on glisse, on rentre dans un menu, bien entendu. Vous le voyez que la batterie ici se charge. Voilà. Alors un écran assez sensible, il est plutôt agréable à utiliser. Ce qui est dommage sur cet écran de cette smartwatch, c'est qu'il marque très très facilement les empreintes et les traces de doigts. Donc c'est un peu dommage puisque c'est un écran tactile. Alors, écoutez, on va faire le tour déjà des propositions d'applications qui sont installées par défaut. Alors, on va revenir au début. On va prendre d'ici. Donc, le dialer. Rien de particulier. Composition. Alors, vous voyez, par contre, voilà. Composition de numéros. Alors, l'intérêt de cet écran, c'est, étant donné qu'il prend tout le rond, c'est que vous avez. Voilà, un tactile en fait avec des choses où vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur le bout des doigts. Donc c'est plutôt une bonne chose. Message classique, hein, inbox, vous avez des messages ou pas. Donc là en local, j'avais rien, je ne me suis pas connecté en Bluetooth. Phonebook, bien entendu, vous le savez, c'est la gestion des contacts. Ok. Les call logs, bien entendu, gestion des appels entrants-sortants. Bluetooth pour la connexion. Les notifications Bluetooth not connected, on verra ça un peu plus tard. App download, le QR code pour télécharger l'application qui va bien sur le téléphone. Mais malheureusement, c'est toujours, toujours la même application qui n'est pas terrible, terrible, terrible. Et qui d'ailleurs, dorénavant, sur les smartphones que j'ai, je n'ai pas réussi à l'installer. Alors j'utilise une autre application, mais l'application qui est délivrée via ce QR code, bah, c'est une grosse crotte. Moi, j'ai pas honte de le dire, hein, parce que là, franchement, il faudrait qu'ils fassent un effort
avec l'application qu'ils fournissent avec leur smartwatch. Surtout que là, c'est quand même une smartwatch qui a un design plutôt agréable, un écran complètement rond, un joli look, enfin bon bref, un écran plutôt agréable aussi, une belle résolution. Eh bien écoutez, bah, ils fournissent toujours une application à 2 francs 6 sous qui est vraiment pas terrible, terrible, terrible. Donc, au niveau des paramètres, alors, premier point, cette montre n'existe pas avec une interface en français, elle n'existe qu'en anglais. Bref, donc ça, il faut savoir parler anglais pour l'utiliser. Alors, au niveau horloge, vous choisissez le type d'horloge. Voilà les différents types. Alors, une montre très classique avec, je ne sais plus celle-là, si elle propose. On va aller voir ça tout de suite. Non, c'est juste le jour, la date, le jour et l'heure. Voilà, mais vous voyez que c'est plutôt agréable à l'œil. Donc c'est assez fin. Voilà. Et celle-ci, vous pouvez la customiser très très facilement en connectant donc cette montre avec donc le câble USB qui va bien, hein, puisque ici c'est côté chargeur, de l'autre côté, vous avez là-bas, j'ai mon socle de recharge, mais dessus, c'est une prise USB classique, hein. Donc, pour changer la montre, soit vous passez par les paramètres, ou alors vous appuyez quelques secondes sur l'écran. Après, vous voyez, c'est le genre de choses que vous pouvez faire. Voilà, mettre une photo en fond d'écran et garder les mêmes aiguilles. Bref, si monsieur a envie de mettre la photo de sa copine, il peut. Si madame a envie de mettre la photo de son copain, elle peut. Bref, chacun peut mettre la photo qu'il veut dessus. Bon, les goûts et les couleurs, après, je trouve ça pas terrible. Celle-ci, alors, c'est avec le cycle des lunes qui est indiqué, la date, l'heure. Bon, voilà. On va continuer. Une montre. Un peu plus classique, on va dire. Alors, celle-ci indique les secondes, et ça, je ne sais plus. J'avais regardé un peu, mais je ne sais plus ce que c'est. Toujours pareil, la date. Bon, reste une montre, bon, un peu classique, voilà. Donc, rien de particulier. Après, une montre entièrement digitale, bref, pas trop d'intérêt. Et c'est celle-ci que je trouvais la plus jolie, moi, personnellement. Maintenant, ça reste mes goûts. Alors, Bluetooth setting, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est pour paramétrer avec votre téléphone. Synchronisation de l'heure, oui ou non. La date, vous pouvez la fixer. L'heure, vous pouvez la fixer. Et le format date, 24 heures ou 12 heures. Rien de particulier sur ce point. Au niveau des sons, les types d'alerte. Uniquement sur la sonnerie. Après, le type de sonnerie que vous voulez sur la montre. Pour les notifications, quel son vous voulez pour les notifications? Bon, voilà, je passe. Le volume, type de volume de 0 à 10. Voilà, bon, rien de particulier. On passe, audio player classique, Bluetooth caméra classique, prise de photo à distance, ça marche très bien. Je ferai certainement une petite démo après, il faut juste que je reconnais, démarre mon téléphone et il n'y aura pas de souci. Je vous montrerai ça. Au niveau des thèmes, rien de particulier, là c'est juste des petites espèces de petites bulles en fond. Voilà, là c'est un espèce de halo bleu, comme vous le voyez d'ailleurs très bien à l'écran. Allez. Voilà, thème 1, c'est, je crois, tout noir. Je crois qu'il n'y a rien de particulier sur le thème 1. Ou une espèce de petit carré en fond. Bon, bref, voilà. Thème 2, vous voyez des petites bulles là. Voilà, bleu. Voilà, bon. C'est discret. Gestion, réglage de l'alarme. Oh là là, j'ai du mal après 8 jours. Ma voix va mieux, mais je bafouille. Voilà, donc le calendrier. Rien de particulier. C'est joli à l'écran. Très honnêtement, les écrans que, on va dire, allez, numéro 1, puisque c'est numéro 1 qui l'a fourni avec Gearbest. Bref, les écrans qui sont intégrés sur cette montre sont plutôt jolis et faciles à visualiser et agréables à l'œil. Une belle définition, hein, je le rappelle. Alors, la définition de cet écran, c'est du 240 par 240. Calculatrice, stopwatch, c'est pour un chronomètre. Alors, vous voyez, je clique dessus, on voit bien que, mais il a du mal des fois, donc c'est un peu bizarre la réaction. De temps en temps, des applications derrière les icônes, c'est un peu bizarre. Bon, bref. Alors,
Quelqu'un a rigolé sur l'histoire de pédomètre. Et non, c'est pas un capteur de pédophile. Bref, c'est pas mon humour, mais non, ce n'est pas un capteur de pédophile. C'est bien la gestion des pas, hein, voilà, mesure des pas lorsque vous courez ou marchez. Voilà, j'ai du mal à lancer l'application. Et donc, vous faites start. Au niveau des options, vous dites votre poids. Alors, déjà, goal, ce que vous voulez atteindre. La haute, votre mesure en hauteur, votre poids. Et derrière, il va vous gérer le nombre de calories consommées par rapport au nombre de pas. Ainsi, donc, ici, vous voyez le nombre de pas et le nombre de mètres. Et on va faire start. Et puis, bah, il va scanner, hein, régulièrement. Ce que vous faites avec la montre au poignet comme nombre de pas. Heart rate, on le verra après lorsque je la mettrai au poignet. Sleep monitor, hein, moniteur de sommeil. Sédentarité, toujours la même chose. C'est au bout de 2 heures, il va vous dire attention, il faut vous lever, c'est pas bien, vous n'avez pas marché. Alors, point intéressant, mais tout ça, il faut mettre la montre au poignet. Alors, la mesure de la température que j'ai testée qui fonctionne beaucoup mieux que d'autres montres. Telle que la G5, je vous le rappelle, la G5 que nous avons testée, qui est celle-ci, ok? Alors vous voyez la différence de taille quand même, voilà. La G5 est quand même un peu plus costaud. Par contre, elle a comment dire, un silicone qui est beaucoup plus agréable au poignet pour le bracelet. Celui-ci, c'est pas vraiment un cigare, c'est un silicone, je ne sais pas ce que c'est en fait. Il est assez dur au poignet et moi personnellement, il m'irrite la peau. Alors j'ai pas trop compris. J'ai l'impression qu'en fait, au bout d'un moment, vous transpirez un peu. Et ce plastique, parce que c'est pas du silicone, hein, c'est vraiment. C'est assez rigide, je trouve. Vous voyez, c'est. Voilà, ça peut pas se mettre facilement, ça peut pas se tordre facilement. Ça c'est tout léger et bien écoutez sur la G3 c'est pas très très léger comme bracelet. Bon, j'ai trouvé ça un peu dommage. C'est moi ma peau en tout cas réagit bizarrement à ce bracelet parce que dès que je le mets ça me picote. Voilà, donc pas sous la montre mais vraiment le bracelet. Bon, alors donc température qui fonctionne plutôt pas mal. La gestion des UV, alors c'est une bonne idée, mais lorsque vous avez la montre en plein soleil pour mesurer l'intensité de ces UV, eh bien on ne voit pas le résultat parce que l'écran devient presque illisible. Mais bon, ça fonctionne. Un électrocardiogramme, bon, Find My Device, ok, hein, vous aurez compris, trouvez votre téléphone. Ensuite, vous avez un power saving. Ah, toujours la même chose, c'est que moi je bouge facilement l'écran. Bon, bref. Alors, il est sur on et donc la montre qui s'affiche par défaut s'éteint très vite. Voilà. Et au bout d'un moment, vous avez en fait une espèce de mise en veille avec une réduction de l'intensité lumineuse de l'écran. Ce qui fait que vous gardez, ah, j'ai encore des restes, quasiment 2 jours. Quasiment, hein, pas totalement, mais quasiment 2 jours sans recharge sur cette montre. Et la batterie intégrée sur cette montre est une batterie de 380 mAh. C'est pas mal, il y a mieux ailleurs, mais il y a beaucoup moins bien. Voilà, ça c'est clair, il y a beaucoup moins bien. Alors, un file manager, hein, donc le watch, donc la montre, hein, donc, et vous avez les différents fichiers que vous aurez pu stocker. Alors, main menu, vous avez différents menus, donc par 4 applications ou alors un annular style. Et l'annular style, c'est ça. Donc, façon, on va dire, iWatch, hein, un peu. Voilà. Et voilà, vous bougez de cette façon. Et vous sélectionnez l'application que vous voulez de cette façon. Voilà. Voilà, ça fonctionne comme ça. On va retourner sur les paramètres. Ici, et j'étais sur display. Non, j'étais pas. J'étais où déjà d'ailleurs? Oh là. Où étais-je? Toc toc volume. Display. Si, j'étais bien sur display, oui. Non. Ah si, bah oui, main menu style, bien sûr. 4 applications. Et voilà, nous sommes revenus.
Alors, on va recharger nos paramètres. Display. Voilà. Donc, le main menu, brightness, donc la luminosité. Voilà, donc peut-être qu'un plus 1 en pleine lumière au soleil, c'est peut-être mieux, mais vous consommerez clairement beaucoup plus de batterie. Hein. Plus c'est lumineux, plus on consomme. Et le timeout, par défaut à 15 secondes, vous le pouvez l'augmenter jusqu'à 60 secondes. Bon, voilà, c'est au choix. On va se mettre sur 30 par rapport au test. Magic Voice, je ne l'ai pas testé ça, je ne l'ai pas testé parce qu'en fait elle parle lorsque vous faites de la reconnaissance pour lancer des applications, parce qu'ils ont une petite application qu'ils ont nommée Siri, pour pas le nommer, c'est pas très bien, mais voilà, vous pouvez choisir le type de voix qui va vous parler, soit homme, femme ou enfant, voilà, bon, et Flight Mode, bien entendu, en mode avion, pour couper tout ce qui est 3G, ce genre de choses qui peuvent perturber l'utilisation des instruments de vol, comme on vous interdit d'ailleurs d'utiliser votre téléphone. Audio player, bien entendu, ça veut dire ce que ça veut dire. Ben on l'a fait déjà, ça, bien sûr, thème, voilà, calendrier, stopwatch. Alors, pourquoi on est revenu? On a tout fait. Power saving, file manager, main menu. Bah oui, j'étais sur le main menu. Motion. Alors, motion, vous avez un flip to mute incoming call. Donc, vous retournez la montre et ça coupe l'appel entrant. Flip to mute alarme. Vous retournez la montre, ça coupe l'alarme. Wake up gesture, ça fonctionne parfaitement. Et contrairement à la G5 qui était en espagnol, cette montre, vous, j'essaye de pas bouger pour pas perdre la charge, vous retournez votre poignet, la montre c'est clair, tout simplement. Et check la montre. Hein, on va parler de Jones. Check la montre pour répondre à un appel. Voilà, donc là, moi je l'ai mis sur off parce que je ne l'utilise pas en tant que phone, smartphone, mais je l'utilise qu'en tant que smartwatch. Je le répète, moi, smartwatch phone, bref, j'y vois pas beaucoup d'intérêt. Alors, Image Viewer pour bien sûr visualiser les photos que vous aurez stockées sur la montre. Vibrator, c'est un peu comme le pédomètre. Hein, vous entendez? Voilà, elle vibre. Alors, à quoi ça sert? Je ne sais pas. Ça vibre, mais c'est tout. Voilà, ça vibre sur votre poignet. Maintenant, je ne sais pas trop. Alors, clock, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est ce qu'on choisit pour le type de montre à afficher. Et vous avez un index de santé. Alors, on va le lancer. Mais il faut l'avoir au poignet. Alors moi je suis pas, ouais, je dépasse mon poids, alors en fait il scanne, il me donne 33 ans, ce qui est plutôt bien, voilà, et puis j'ai un heart rate, donc mon cœur était à 75 battements, vital capacity, ça je ne sais pas ce qu'il mesure réellement, mais vous voyez votre petit cœur qui bat là, voilà, et bon c'est amusant, mais je suis pas sûr que ce soit très... Alors il me donne 33 ans, mais par contre je dépasse de 25% le poids normal. Bref, bon, ok. Il me dit que j'ai du gras dans les cuisses en haut des fesses et dans le ventre. Ouais, il a pas totalement faux. Dans les fesses, je suis pas d'accord, mais dans le ventre peut-être. Voilà, un peu. Mais pas en... il n'est pas très sympa, quoi. Bref. Donc c'est amusant. Voilà, c'est amusant. Alors voilà, le Siri, reconnaissance vocale, word clock, bien sûr, pour vous mettre sur un fuseau horaire, les sons, on les a vus, et ça, LED, c'est pour vous donner un petit éclairage le soir, lorsque vous avez la montre au poignet, que lorsque vous cherchez quelque chose, ça vous met l'écran blanc, comme sur un téléphone, voilà, tout simplement. Et puis, on est revenu au début, et alors écoutez, ben maintenant, ce que je vais faire... J'espère qu'elle est assez chargée, la bête. Je vais la mettre au poignet et puis je vais vous montrer un peu le fonctionnement du thermomètre et tout le reste. Allez, à tout de suite. Alors, voilà, la montre semble-t-il assez chargée, je dirais, pour faire la démonstration. Alors, on va commencer tout de suite par la mesure de la température, comme je vous l'indiquais précédemment au niveau de présentation des applications. Alors, vous voyez qu'il y a maintenant une petite chaussure qui est dessinée en haut. Ça veut dire que le pédomètre est en route et qui va enregistrer en fait le nombre de pas, de calories, bref, il va mesurer tout ça et il vous indiquera donc
en temps réel ici via la petite aiguille qui est là, le nombre de pas jusqu'à atteindre le petit drapeau ici qui aura fait que vous aurez fait ce que vous voulez atteindre sur une journée en termes de nombre de pas. Moi j'ai mis à 8000, par défaut ils mettent 11000 ou 12000. Ça fait bref beaucoup par rapport aux gens qui restent sédentaires. Bref, si vous faites 8000 quand vous êtes sédentaire, c'est déjà pas mal. Donc voilà, cette petite aiguille bougera. Alors ici, ça c'est le rythme cardiaque, hein, je le rappelle, c'est la mesure du rythme cardiaque. Alors, on va mesurer tout de suite la température. Alors, par rapport déjà à la montre. Donc, j'essaie de montrer comme ça. Elle n'est pas trop épaisse, elle est assez agréable au poignet, elle n'est pas lourde, elle est légère. Puisqu'elle n'est pas lourde, elle est légère, hein, c'est normal. Elle est annoncée pour 50 grammes. 50 grammes, effectivement, elle est agréable au poignet. Ce que je n'aime pas trop, moi personnellement, c'est la forme de. Alors, j'essaie de le montrer comme ça, sans bouger tout. La forme, en fait, du bracelet ici. Voilà, ici, comme ça. Je suis contorsionniste dorénavant et vous voyez que cette forme en fait fait que c'est assez carré au poignet et j'aurais aimé en fait moi personnellement hein, une forme peut-être plus courbée ici au niveau du boîtier. Voilà, plus courbée avec donc un bracelet qui aurait épousé un peu mieux le poignet. Bref, bon, je le répète, c'est vrai que moi j'ai un petit poignet et donc du coup ce genre de montre, alors elle est agréable à porter, mais voilà, ce genre de bracelet me déplaît. Donc c'est vrai que la C5, C5, oui, la C5 Watch est mieux foutue de ce côté-là et surtout le bracelet est plus agréable. Bon, maintenant, ce n'est que mon avis. Maintenant, il y a des gens qui aiment. Voilà, ça tient bien, c'est costaud, c'est voilà. Mais c'est vrai qu'elle est elle fait costaud au poignet, hein, donc voilà. Donc bref. Bon, la G3 est pas mal. Alors, mesure de la température. Ok, vous voyez, 35, 42 en haut. Je vais peut-être zoomer un peu. Vous me direz que ce sera mieux, très certainement. Allez, on démarre. Et je vous laisse regarder un peu comment cela fonctionne. Voilà, 36,7. Donc en gros, c'est comme la prise de température, comme certains médecins font sous les aisselles. Donc vous rajoutez en gros 0,4, hein, je crois, hein, quelque chose comme ça, 0,4, 0,5. Donc en gros, 37,1, 37,2, quoi, voilà à peu près. Donc la mesure semble plutôt pas mal. Sachez que entre le matin et le soir, la température gagne environ 0,3, 0,4. Donc, ce qui est aussi a priori réel par rapport aux mesures de température classiques du corps humain. Alors, les UV. Alors, on va se mettre face à nos projecteurs. Testing in the sun, start. Et on va voir ce qu'il donne. Alors, j'ai cherché le petit capteur pour mesurer les UV. Eh bien écoutez, je ne l'ai pas trouvé. Alors il doit être intégré dans l'écran. Donc il y a du soleil. Donc vous voyez qu'il capte quand même bien la lumière. Hein, du soleil, mais normal. Ça commence en gros quand même à être rouge. Hein, donc voilà, dans le vert, c'est bien. Jaune, c'est moyen. Et là, ça commence à prendre beaucoup d'UV. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, ça fonctionne. Voilà pour la mesure du soleil. Et vous le voyez l'écran, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quand même, voilà, là, dès que vous bougez de gauche à droite, enfin, ou de droite à gauche, pour bouger dans les applications, il y a beaucoup, beaucoup de traces de doigts. C'est vraiment dommage, ça. Alors ça, c'est l'électrocardiogramme, donc on va le laisser filer. Et voilà. Et là, et en cours de mesure, hein, donc il mesure. Donc là, 75, 86, peut-être le fait de parler, voilà, on monte un peu, on consomme un peu plus. Donc le cœur s'accélère parce que vous avez besoin de plus d'air. Voilà, donc ça c'est l'électrocardio.
Vous le voyez, les traces de doigts, là on les voit bien, hein, mon Dieu. Voilà, c'est un peu le problème de cet écran. Et en plus, vous avez une petite bordure ici qui fait que il est assez difficile à nettoyer dans les angles là. En fait, vraiment dans la courbure ici autour du cadran, c'est assez difficile à nettoyer. Pardon. Alors, je vais rezoomer quand même un peu. Hop, voilà. Alors, Find My Device, ok. Tac, tac, tac. Motion. Alors, Motion, tiens, on va éteindre. Hop. Et puis, on va se retourner. Voilà. Ok. Donc, j'éteins. Ouais, c'est instantané. Hein, elle fonctionne. Voilà. Et vous avez la mesure du rythme cardiaque qui s'affiche ici en bas. 86. Voilà. Alors, je ne sais pas, 2 secondes. Non, c'est vraiment parce que je bouge mon poignet hein, là, pour voir s'il arrive, il mesurait pas de cette façon. Donc, non, il n'y a pas de mesure de pas en bougeant que le poignet. Ça ne le fait pas. On ne peut pas lui mentir, a priori. Alors, motion, on l'a fait. Vibrator, machin. Alors, on va refaire. Voilà, on va refaire l'index de santé. Et puis, est-ce qu'on peut le refaire? Toc, 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 toc. On peut pas le refaire. Tap to test. Voilà, start test. Alors, 1m82, 83 kg, 49 ans, machin, bref. Vous le mettez ce que vous voulez, hein, en gros. Hein. Voilà, il vous scanne, il paraît hein, qu'il vous scanne. Donc on va le laisser faire. Vous allez voir, c'est mignon, c'est rigolo. Voilà, bon après, est-ce que c'est fiable à 100%? Je ne sais pas. Je vais pas m'avancer. Si je vous dis oui, on va dire oh, vous prenez pour un médecin. Et bon, si je dis non, vous n'avez pas confiance dans la montre que vous présentez. Donc moi je montre, voilà, c'est tout. Et donc bah ça n'a pas changé, toujours 25%, mais voilà, c'est pas le poids, la taille est bonne, c'est pas le poids, c'est pas l'âge, bref. Donc voilà, il dit toujours, bien sûr, puisque c'est toujours la même taille et le même poids. Alors ce qu'on peut faire, on va changer. Toc, on va changer le poids. Alors c'est au 100 grammes par contre, alors il faut beaucoup taper sur la petite flèche, mais vous voyez que ça marche plutôt bien. Voilà, on va se rapprocher du poids réel. 78 et on va se rapprocher de l'âge réel. Start. Toujours pareil, hein. Je me suis approché. Ce n'est pas mon poids, ce n'est pas ma taille, ce n'est pas. Voilà, rien n'est de moi, mais on a changé quelques paramètres pour voir en fait ce qu'il va mesurer. Et on va le laisser filer. On le laisse filer. Alors là, ben voilà, je ne suis pas overweight, je ne suis pas en surpoids, je suis normal. Voilà, donc, alors, c'est ces pourcentages, je ne sais pas trop en fait ce qui mesure en dessous, je ne sais pas. Donc, bon, ben là, voilà, je redeviens quelque chose de quelqu'un de plus normal, on va dire. Hein, voilà. Donc, j'étais à 76 pulsations, vital capacity, je ne sais pas comment il mesure ça non plus, parce qu'il faudrait faire peut-être une prise de sang hein, pour savoir un peu tout ça, mais bon, bref. Et là, il me donne 32 ans, voilà. Donc, ouais, c'est marrant, c'est amusant, voilà, c'est une petite application qui n'existe pas sur d'autres. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Alors, je le rappelle, l'application qui cherche à installer, je voulais pas la nommer, mais on va le dire, hein, c'est Fundo. Et Fundo ne veut plus s'installer à partir du Play Store. Alors, y compris si vous récupérez l'APK ailleurs,
Ça ne veut plus du tout s'installer. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être est-ce dû au fait que ce soit une application vraiment purement chinoise et il y a peut-être une raison de sécurité, je ne sais pas. Bref, moi j'utilise Brixton, mais smartwatch, quelque chose comme ça. Alors écoutez, attendez, parce que je vous l'avais dit, je vais prendre le téléphone, je le démarre et puis on revient. Alors, me voilà revenu avec le téléphone. Mais écoutez, ce que je vais faire, puisque je vais vous montrer la connexion complète, hein, comme ça, ça sera mieux. Par défaut, vous voyez, j'étais sur mon Yumi Iron. Donc là, on a changé. J'ai mis à jour, en fait, je teste les mises à jour sur le P9000. Eh bien, écoutez, on va s'amuser à le connecter. Voilà, j'ai 3, vous voyez ici. OK. On va faire un search new device ici. Ok, on va sélectionner pairing, pairing failed. Ok, associé. Alors, accept human interaction. Yes. Desktop. Ah non, c'est pas ça que je veux. Je suis sur qui là? Pairing, associé avec G3. Oui, enfin, ça y est, voilà. Connecting. Donc là, il ne donne pas le nom. Yumi Iron Pro donnait bien son nom. Alors, une demande d'accès à vos messages. Oui. Voilà. Donc, on est connecté. Ici, il dit qu'il est bien connecté, mais il n'arrive pas à reprendre le nom de l'appareil qui est bien P9000. Et bien, écoutez, si je regarde... Non, il ne veut pas. Donc, il garde le numéro interne de l'appareil. Vous voyez qu'ici le Bluetooth est devenu bleu, donc on est bien connecté. Et vous avez le petit casque, donc vous pouvez transférer de la musique. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le téléphone ici. S'il veut bien tenir, Coco, voilà. Tu restes là et on va faire un remote capture. Ah bah tiens, c'est amusant. Eh bien écoutez, alors tant qu'on n'était pas connecté sur mon Yumi Iron Pro, il restait en anglais. Eh bien écoutez, avec le P9000, il est passé en français. Ça c'est amusant. Avec la connexion sur ce P9000 qui est ici, l'ensemble des applications ont été traduites. Alors, ce qu'on va regarder, c'est si l'intérieur des... Eh oui, tout est traduit. Ça, c'est très amusant. Alors, ça, c'est pas mal du tout. C'est plutôt un bon point. Donc, alors pourquoi avec le P9000 et pas avec le Yumi Iron Pro, je ne saurais dire. Mais la connexion avec le P9000 a fait que l'ensemble... de l'interface a été traduite. Eh bien écoutez, pourquoi pas. Capture distante. Android. Voilà. Alors, si on bouge. Attendez, on va essayer de faire ça intelligemment. Voilà, donc vous voyez. Ok. Donc sur... la montre, ça s'affiche correctement. On va faire la capture. Voilà. Et donc, par exemple, cette photo, vous pourrez l'utiliser, par exemple, ici en fond d'écran. Voilà, c'est bon. Pourquoi pas. D'ailleurs, est-ce qu'on peut mettre... vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de regarder. Je ne pense pas que ça fonctionne, hein, mais ce qui aurait été intelligent de leur part... Oui, tout est traduit. Hein, effectivement, bah, EarthRate, il n'a pas su le traduire, mais pédomètre, il l'a mis en pédomètre. Hein. Il a tout traduit. Trouver mon mobile, mouvement, style de menu, économiseur, gestionnaire de fichiers, téléphone... Ah, bon, bref, pas grand-chose. Là, on voit que le téléphone, ok, bon, bizarre. C'est un peu dommage qu'on ne puisse pas voir. Alors, le visualiseur, peut-être, carte mémoire utilisée, utiliser le téléphone, non.
D'accord, donc la photo n'est pas stockée sur la montre. A priori, utiliser le téléphone, oui, aucun fichier, ouais, donc rien. Ok. On va faire découvrir mon téléphone parce que je l'ai perdu. Donc la prise de photo fonctionne parfaitement. Démarrer. Ouais, je suis pas convaincu. J'avais pas de sonnerie là-dessus. Si, pourtant. Est-ce que c'est pas le téléphone qui sonnait? C'est la montre. Alors, trouvez mon mobile. Ah si, les deux, pardon. Ok. Les deux bips. Lui il vibre et bip bip en plus. Et le même bip bip sur la montre. Voilà. Alors, bien écoutez, on a fait le tour. Voilà, les principaux paramètres et ensemble de cette montre. Alors, vous avez ici sur le dessous, là. Les petits lasers, en fait, les roues vertes, très vertes, hein, pour la mesure en fait de votre rythme cardiaque. Ici, vous avez le micro si vous l'utilisez en tant que smartwatch phone. Et ici, je suppute que ce soit le capteur justement pour la température, donc au plus près de la peau. Pour le capteur de luminosité, je suppute aussi qu'il soit intégré donc dans l'écran. Et puis voilà, donc on a fait le tour de cette montre. Alors, nos conclusions par rapport à cette montre. Alors, face à la C5 que j'avais ici précédemment montrée, qui je l'essuie un petit peu parce qu'elle n'était pas très propre. Alors, face à la C5, le mouvement en fait de retour du retour du poignet pour allumer la montre fonctionne beaucoup mieux que sur la C5, je trouve. Le capteur de luminosité, donc pour la mesure des UV, est bien placé puisqu'il ne se voit pas. Lui, il se voit plutôt bien, hein. Bref. Alors, c'est. Elles ont les mêmes fonctions, hein, clairement. Maintenant, la C5, je la préfère au poignet. Je la trouve plus agréable au poignet. Mais la G3, je trouve des petits points en plus, c'est les mesures qui me semblent plus réelles. Donc, mesure UV, mesure de température, ce genre de choses. Le rythme cardiaque, c'est équivalent. Maintenant, la G3, je pense qu'elle est un petit cran au-dessus tout de même, mais elle est plus épaisse. Voilà, ça c'est clair. Elle est plus épaisse, mais elle est plus discrète. Voilà, donc c'est un choix. Elle est actuellement sur la boutique Gearbest à 52 €. voilà, et elle fonctionne plutôt bien. Donc voilà, moi j'ai peu de points négatifs contre cette montre. Moi, mon seul point, c'est voilà, ce bracelet que je trouve moi personnellement, voilà, hein, moi personnellement, pas très agréable. Ça fait trop plastique, rigide. Enfin, il n'est pas rigide, vous le voyez, hein, ça se tord. Mais c'est pas non plus du silicone, ça fait vraiment plastique. Donc, moi, je trouve qu'au poignet, lorsque je la mets, bah, c'est pas très très pour moi, hein, voilà, c'est pas très agréable. Alors maintenant, pour vous, ça le sera peut-être, ce sera peut-être très bien, mais voilà, pour moi, ça manque de qualitatif ce bracelet. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est une montre sympa. Je sais que actuellement, numéro 1 travaille sur une montre enfin sous Android Wear, enfin. Et c'est un peu dommage que cette montre, il ne l'ait pas prévue sous Android Wear. C'est le point négatif que je trouve très personnellement. Mais les applications sont bien foutues, sont bien développées, fonctionnent
tout fonctionne parfaitement. Moi, j'ai aucun gros reproche à faire sur cette montre. Voilà, c'est clair. La conclusion, ce sera ça. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis à notre prochaine vidéo. Parce que là, ça y est, on va commencer à recevoir, et on a reçu, et je voulais faire mon Yumi Iron Pro en présentation parce que ma voix allait mieux, mais j'ai reçu un téléphone qui me tenait à cœur, et qu'on va présenter dans la foulée de cette montre. Donc, bah, vous regarderez, ça y est, vous allez nous retrouver sur YouTube à présenter du matériel en provenance de Chine. Montre, boombox, smartwatch, et puis l'année 2016 a bien démarré. Et les nouveaux matériels en provenance de Chine arrivent enfin et commencent à se libérer. Bref, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas pour le pouce bleu. Là, ici, j'en montre deux, mais vous avez le droit qu'à un. Si vous pouviez mettre deux, ce serait cool. Mais on a le droit qu'à un. Un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette vidéo et de la montre. Et puis, surtout pour les nouveaux qui nous regardaient, n'hésitez pas à vous abonner parce que je suis assez content aussi. On a dépassé les 640 abonnés. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et je suis très content. Et cette montre n'était pas pour la boutique, hein, c'était bien pour nous, la team de présentation du matériel chinois. Eh bien, écoutez, moi, je suis content aussi qu'on nous ait envoyé cette montre et puis une belle montre G3, voilà, DT numéro 1, grâce à la boutique Gearbest. Et on nous a demandé, juste un petit aparté comme ça, vite fait, on nous a demandé, mais au lieu de faire des coups de gueule sur des gens, des reviewers, alors moi, c'est pas un coup de gueule sur un reviewer, hein, la personne, moi, je la connais pas, moi, c'est un coup de gueule sur quelque chose que je nomme une arnaque, voilà, tout simplement. Et moi, je n'ai rien, je le répète, je n'ai rien contre les autres reviewers, et moi, je ne suis pas un bagarreur, je ne suis pas un... comme on dit, hein, disent les jeunes, des langues de pute. Donc non, je ne suis pas comme ça. Moi, c'est juste contre une arnaque. La vente d'un téléphone non fini, non finalisé, et qui a été vendu comme un téléphone finalisé. Et c'est ça que je voulais dire dans la vidéo. Peut-être que cette personne ne l'a pas compris. Et cette personne m'a même dit au final que ça serait peut-être bien de faire une vidéo sur les boutiques en Chine. Et vous dire ce que vous pensez des boutiques. Eh bien, j'ai pris sa phrase, voilà, je la prends, et on fera une vidéo comparative, oui et non, mais est-ce qu'on les a presque toutes testées, et on vous dira ce que l'on pense des différentes boutiques, via présentation, insertion de leur site, et puis on dira ce que l'on pense des boutiques. Mais en tout cas, pour l'instant, nous, on tient à remercier, Gearbest, qui nous a envoyé cette montre sans frais de douane, sans rien, nous a été livrée gratuitement, voilà, aucun frais supplémentaire, voilà. Bon, donc merci à vous qui nous regardez ici, merci à DT numéro 1, on va dire, hein, et puis merci à Gearbest, et on remet leur logo. Allez, ciao, et puis à la prochaine. I just wanna make sure they're prematurely spats.